Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et de façon très abondante. C'est toujours dans la recherche de la plus grande édification et de la bénédiction de l'épouse de Christ qu'aujourd'hui nous allons à la rencontre du pasteur Parfait Madingou de l'église Jésus-Christ Tabernacle, avec qui nous allons nous entretenir pour des informations vous concernant. S'il vous était donné de vous présenter vous-même, pasteur, qu'est-ce que vous ajouteriez à notre présentation pour qu'elle soit complète? La présentation, elle est complète. Juste la précision sur la situation, l'emplacement de l'église. Nous sommes au quartier Fuchs, Pointe-Noire. C'est l'arrondissement de Mvumvu. C'est le pasteur Parfait, comme vous l'avez dit, Jésus-Christ Tabernacle. Nous sommes bien honorés aujourd'hui d'être reçus par vous et ici dans votre bureau. C'est dans le cadre d'une invitation que vous avez reçue de la part d'un pasteur croyant le même évangile que vous prêchez. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire de quoi il s'agit exactement, pasteur? Oui, il s'agit de réunion de réveil, précisément d'une évangélisation qui se tiendra en Géorgie, en Atlanta, à Lawrenceville, dans l'église du pasteur José Mambélé, Tabernacle, Shalom Tabernacle. Ainsi, nous nous sommes croisés avec le pasteur lors de la dernière convention que le pasteur Aymar, qui est au Colorado, précisément à Denver, avait organisé. C'est là où j'ai fait la rencontre du pasteur et qu'il m'a suivi prêcher en Caroline du Nord. Et depuis lors, il avait été touché par le Seigneur d'organiser des réunions de réveil, d'évangélisation, pour lequel je devais être parmi les invités d'honneur. Donc voilà pourquoi je veux m'envoler le 17 juillet. Je partirai de Pointe-Noire pour Paris et de là-bas le 19, je prends le vol pour Atlanta. Et donc, les dates pendant lesquelles se tiendront les réunions, c'est du 21 juillet au 23 juillet. Je serai parti un peu tôt, c'est parce que je venais de la France où j'ai passé plus d'un mois. Donc, il fallait revenir. Vous savez, je suis pasteur de l'église, des deux églises, à Pointe-Noire et à Brazzaville. Donc, il fallait revenir ici. Revenir voir les églises et la famille, après prendre le vol pour les États-Unis. Mon désir est de rester à l'heure ici. Yabanani, Ouvane Kakanembe, de quoi? Amen. Amen. Et cela est lié avec le travail que le Seigneur m'a donné. Kasake, Oumosina, Isabina, Fumu, Pesagamon. Heureusement qu'il a suscité des puissants ministres. Bote, Samtemé, Koubasisa, Kakanembe. Ici, comme Brazzaville. Et nous en sommes fiers des hommes que Dieu nous a donnés. Pour lequel nous voulons applaudir. Lawrence. Et je crois que j'aurai peut-être deux semaines
Je vais continuer pour le Canada. Je pourrais passer 2 semaines également là-bas. Je serai de retour aux USA. Et si pourrait que j'arrive au Colorado ou au Vermont. Et à Boston et à Washington. Je me remets simplement à l'examen. Je ne pense pas faire 2 mois. On a pas besoin de faire la grande zone. Je ne pense pas faire 2 mois. Et la zone avec ça la grande zone. Je prierai le Seigneur de rentrer avant 2 mois. Ok, donc maintenant pour mon samedi, mon côté mon futuka, la physique à mon nom, et il a la grande zone. Tout pasteur peut voyager, mais son cœur reste. Et donc on vous mignon tenez la grande zone. Et tout le passé, c'est moyen. Dieu l'a établi. Kaka kisika na zami kisika kaya. Je me sens toujours bien ici. C'est un peuple que Dieu m'a donné. Je voyage, c'est la position ou le travail qui m'a donné. Et c'est pour votre avantage également. Je crois que ce qui me garde, c'est parce que j'obéis à sa volonté. Amen. Amen. Acclamons une fois notre Seigneur. Seulement, nous avons remarqué que le pasteur Parfait Madingu ferait partie des invités spéciaux. Qu'est-ce que cela représenterait pour vous, pasteur, que par exemple au niveau du Congo, vous soyez le seul qui soit invité et que vous soyez compté parmi les invités spéciaux à ces réunions? Bon, ça n'a pas été une élection où il y a eu beaucoup de pasteurs. C'est parce que simplement, c'est une circonstance. Lors de notre rencontre, on en a parlé. Et comme je me trouvais avec lui, donc nous étions pas peut-être au nombre de 100 pasteurs et que les choix se portaient vers moi. Nous nous sommes croisés avec lui. On a discuté à l'hôtel longuement en Caroline du Nord. Et il a été convaincu que les réunions soient organisées et que je sois parmi les invités qui vont intervenir. Donc je pense qu'il m'a écouté prêcher. Bon, il a pensé que le petit ministère que Dieu a mis en moi peut édifier le peuple des États-Unis. José, je l'ai vu au Colorado, nous avons discuté et on a eu plus de temps en Caroline du Nord où on a passé toute une nuit dans l'hôtel et j'ai trouvé en lui beaucoup de grandeur, beaucoup d'humilité et qu'il a le souci surtout de gagner les âmes. En tout cas, j'ai trouvé que c'est un homme qui a beaucoup d'amour pour le Seigneur et qui a beaucoup d'amour pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce qui m'a touché. Je trouve qu'il partage le même fardeau qu'à beaucoup des hommes de Dieu qui ne regardent pas d'abord à autre chose, mais qui regardent premièrement à la cause, au salut des âmes, parce que j'ai vu vraiment son souci, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. En tout cas, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Et si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que j'ai trouvé en lui vraiment de grande qualité d'un homme de Dieu. En tout cas, je le remercie de m'avoir invité, de m'avoir honoré. Que Dieu le bénisse richement, son église et sa famille. Merci, pasteur. Nous avons également noté que la convention porterait sur le thème, traduit en français, qui nous donnerait « Qu'attends-tu ? Jésus-Christ frappe à ta porte ». Est-ce que c'est dans un aspect conventionnel, ce serait une convention ou des réunions de réveil seulement concernant une église, vu le thème « Jésus-Christ frappe à ta porte », est-ce que c'est une campagne d'évangélisation de l'extérieur ou une convention concernant une église seulement ?
En fait, vu le thème, comme vous l'avez dit, l'action consonnera plus à l'appel aux âmes. Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Donc, il faut simplement, comme nous savons qu'il est écrit à la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait la trompette, les mystères de Dieu vont s'accomplir. Et Apocalypse 18, il dit que j'entends du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Et nous savons que cette voix, c'est la voix du message du septième ange, Dieu au travers de lui, bien sûr, qui appelle les âmes prédestinées qui sont de la dénomination de sortir. Ainsi, Branham étant parti, nous sommes des auxiliaires, donc c'est nous qui apportons ce message. Et Jésus frappe à la porte. En fait, nous savons que, selon la révélation que nous avons reçue, tous les âges l'ont mis, et tous les âges, Jésus était à l'intérieur. Mais la Odyssée est à l'extérieur. Donc nous savons que quand il est venu sur le trône de fils. Il est venu en tant que fils de l'homme, il était prophète. Mais au cours des âges, il a été fils de Dieu, Dieu Saint-Esprit. Ainsi, les gens l'ont rejeté tout au long des âges. Le Saint-Esprit, tout, la Odyssée, l'a mis à la porte. Et avant qu'il se révèle comme fils de David sur le trône, il nous a été promis dans Luc 17:30 que le fils de l'homme devait se révéler. Et si nous vivons dans le jour où c'est Christ accompli. Donc, ainsi... Le fils de l'homme qui est l'ange, qui est le même ange qui a visité Abraham dans Genèse 18. Ainsi, c'est le même ange qui a été promis, qui, en temps du soir, dans frère Branham, a accompli l'écriture de Luc 7:30, Apocalypse 10 et toutes les promesses. Donc nous véhiculons ce message pour faire sortir le peuple qui sont dans les dénominations de venir vers la parole. Parce que Christ est à l'extérieur. Donc la voix retentit en ces derniers jours pour faire sortir les gens des ténèbres, qu'ils viennent vers la lumière. Donc voilà le message. L'objectif principal sera celui de faire sortir les gens des confusions dénominationnelles, des confusions religieuses et du péché pour les amener vers la lumière du temps du soir. Cette colonne fait gêner le voilà. Et il voilà Christ. Il a voilà colonne de fer. Jésus-Christ, ça c'est clair, frère.
Merci, pasteur. Le tout se déroulant dans une église locale, est-ce que vous pensez qu'il y aura la possibilité d'atteindre le plus grand nombre? Je veux parler de ceux de l'extérieur. Bon, le pasteur avait déjà fait le travail. Déjà, il y a des invitations qui ont été données depuis des mois, parce que nous en avons parlé il y a une année de cela. Donc, il y a une année de cela, nous croyons que, vous savez, Dieu, il ne fait rien pour rien. Donc, les âmes prédestinées à croire pendant ces moments, je crois qu'ils seront saisis et ils seront présents. Et elles seront présentes plutôt. Et donc, selon le pasteur qui vous invite, le pasteur José Mambélé, l'Église serait à sa troisième convention annuelle. Alors, cela nous laisse croire que le pasteur Parfait Madingou également croit à la convention. Mais est-ce qu'avec ceux qui vous suivent maintenant, pouvez-nous partager en quelques mots l'importance, sinon l'intérêt d'assister aux conventions? Bon, les conventions, j'en organise ici. Et je suis souvent invité, que ce soit en Afrique et en Europe comme en Amérique. Nous savons que la convention, c'est le moment pendant lequel nous partageons, nous apprenons, nous nous édifions, et c'est des moments vraiment glorieux pendant lesquels nous nous écoutons, nous apprenons auprès des autres, et ça peut nous aider aussi à rectifier beaucoup de choses. Donc la convention, c'est convenir, donc nous convenons sur les choses que nous croyons. Nous croyons que Dieu nous envoie un prophète, et chaque fois qu'il y a convention, c'est autour de Malachie 4, c'est autour des promesses qui concernent notre temps. Mais c'est des moments glorieux que j'ai toujours apprécié, auxquels j'apprends beaucoup de choses aussi. Mais pendant que vous y allez, nous ressentons en fait le poids que vous portez pour le gain, gagner des âmes qui viennent autour du message du temps de la fin. Mais dans la plupart des cas, les conventions que nous avons rencontrées, ça et là, c'est souvent des règlements de compte, tel pasteur prêche, un autre qui vient contrer ce qu'il a dit et tout le reste. Est-ce que vous, allant avec le souci de gagner des âmes sur le terrain, vous ne craignez pas rencontrer des oppositions ou des conflits de doctrine et tout le reste? Bon, je prendrai un exemple. C'est vrai que les dérapages que nous déplorons tous, j'ai assisté à une convention il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas deux mois. J'étais en France, précisément dans la ville. Nous étions avec le pasteur Arthur et son associé, le pasteur Alain. Il y a eu une convention, nous étions 5 intervenants, et le pasteur lui-même, le pasteur Arthur, il y a eu 2 blancs, un frère suisse et allemand, et il y a un pasteur noir qui est du Cameroun, et moi j'ai été l'un des intervenants, mais je vous dis que ça a été vraiment merveilleux. Et j'ai organisé aussi au mois de juin 2016 une convention où il y a eu près de 14 intervenants, mais il y a eu la complémentarité, ça a été un moment glorieux. Donc je crois que l'épouse est en train de grandir, est en train d'aller vers la perfection. Ça, c'est des choses qui se sont passées, mais nous déplorons que ça continue, sinon que je sais que l'épouse est en train de s'étendre vers la perfection, donc ces choses-là doivent rester. Donc nos conventions, l'objectif que nous visons tous, c'est simplement de faire avancer le royaume de Dieu. Alors, pasteur, s'il faut que nous allions un peu vers la fin, vous vous envolez pour aller très loin, vous passeriez par la France, les États-Unis, certainement vous ne reviendrez pas directement, vous aurez un autre trajet, si ça vous plaisait de nous partager. Oui, donc après les États-Unis, je vais aller au Canada, là où je vais rester peut-être 2 ou 3 semaines, et après le Canada, je reviendrai sur les États-Unis, où je vais aller peut-être au Colorado et ailleurs. Mais je serai de retour, je crois, dans moins de 2 mois. Donc c'est un voyage qui me prendra près de 2 mois. Bon, mais il faut savoir que, vu le ministère que Dieu m'a donné d'apôtre, donc chaque année, je voyage, je suis dans le champ de mission, donc ce n'est pas pour la première fois. J'y vais chaque année, presque ça fait bientôt plus de 10 ans que chaque année je voyage pour le même but. Mais tout mon souci a toujours été celui de gagner les âmes et de faire avancer le royaume de Dieu. Donc voilà, mes frères. Alors, si loin que vous irez, pasteur, tous nous ne pourrions pas participer. La chose se passe aux États-Unis, il y a de ceux qui restent en Afrique, un peu ça et là. Quel est le message que vous pourriez passer à l'épouse entière qui pourra à la fois assister, de celle-là qui ne pourra pas
des personnes qui ne pourront pas assister à cette convention sur place. Quel serait le mot ou le message que vous pouvez laisser passer aux enfants de Dieu qui nous suivent maintenant? Le message, c'est que nous croyons que nous vivons, nous sommes à la fin, comme Paul a, Pierre avait prophétisé, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. Mais le prophète nous a fait comprendre que les derniers jours, c'est les deux derniers millénaires. Donc ces deux derniers millénaires ont eu un matin et devaient aussi avoir un soir. Donc au temps de Pierre et les autres, c'était le matin des derniers jours. Nous vivons au soir des derniers jours. Nous savons que quand Dieu aura fini avec nous, Dieu va reprendre avec Israël. Donc il est temps que chacun de nous vraiment de prendre au sérieux ce message et faire le maxi et apporter le meilleur de nous-mêmes pour amener aux âmes qui ne connaissent pas encore cette parole vers le Seigneur. Donc que ce soit ceux qui seront sur, là-bas, que ce soit parce qu'au même moment je crois qu'il va se tenir au travers le monde beaucoup de conventions, des réunions de réveil, des campagnes d'évangélisation. Je pense que l'objectif est le même, c'est celui d'amener les âmes vers le Seigneur. Donc pour ceux qui me suivent ou nous suivent, ma prière est que Dieu place sur notre cœur le même fardeau, celui de se soucier plus pour les âmes perdues, parce que Jésus vient bientôt. Merci. C'était le pasteur parfait Madingou d'église Jésus-Christ Tabernacle de Pointe-Noire, qui d'ailleurs s'envole dès lundi pour les États-Unis d'Amérique, où il assistera à des réunions de réveil, et il est invité par le pasteur José Mambélé. Le tout portera sur le thème « Qu'attends-tu? Jésus frappe à ta porte ». Toute la bénédiction du Seigneur vous accompagne. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Oui, voilà.